Ah, mais t'es là. Allez, viens. La journée va être longue hein, encore. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de présenter un peu ce qu'on fait dans la gueule de ton séjour. Milou, le chef ah. À partager, pied de cochon. Ce côté partage, rencontre des gens vrais, de la campagne, de la forêt. Pesé à l'avant, pesé à l'après. C'est parti pour la montagne noire. C'est trop loin de chez moi. Le programme, on part chez mon ami Camille Lassalle. Au Martis, éleveur de Gascogne. Oh, c'est beau ça. Ah. On file après chez Charlotte. Ah oui, oui. Éleveur de Gascogne. Putain, il n'y a que des Gascogne en Aude, c'est terrible. Mon père, il a fait un test, son cholestérol a baissé depuis qu'il mange la charcuterie. Hein. Et on finit ce soir au Clos de Manzotte. Magnifique charpente. Donc on traverse la montagne noire, le Cabardès, c'est magnifique, vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles, l'Aude par les chemins de traverse. Et on gagne la salle. Ça va Camille, ça va toi, impeccable. Camille, on est où là? Dis-nous un peu là. On est au Moussès, commune des Martis dans l'Aude, dans la montagne noire. Pourquoi dire montagne noire? Parce que c'est vrai qu'il fait noir un peu là. Je sais pas, non, je pense que c'est par rapport au sapin. Tu as dit une connerie, la montagne noire, c'est pas par rapport au sapin. C'est pas par rapport au sapin? Non, c'est par rapport à la bruyère. Nous, avec mon père, moi je suis installé depuis 2015, on a créé le GAEC La Salle. On a un troupeau de 250 mères gasconnes à peu près. Ça, c'est vache à l'engraissement, donc qui normalement sont destinés à la découpe septembre-octobre. Les taureaux, tu les prends là, tu les castres pour faire des bœufs, là ils sont très colorés. Et bien tu les castres au bout de 3 mois et ils sont blancs comme des vaches. C'est pour ça qu'Arthur est très blanc aussi. T'as un problème de testicule. Des os à moelle, deux chez nous, une vache, je sais plus laquelle c'était, bon peu importe, on s'en fout. Qu'est-ce que, alors, os à moelle. Tu veux finir au sel ou quoi? Et là on le fait comme ça, là. Voilà, c'est... Mmh. Voilà. Ouais, nickel. Que tous les produits sont issus sans aucun artifice chimique, et c'est ça qui est essentiel, quoi. Quand même. Pour bien vivre et bien manger, quoi. Champignons ici. Donc on n'a aucun coin, rien du tout. Pour toi, Henri, qu'est-ce qui t'a motivé à nous suivre là-dessus, sur ce projet-là? Ah ben c'est eux, c'est les éleveurs, les agriculteurs, les vignerons qu'on va rencontrer à travers les séjours. C'est eux qui m'ont motivé parce que je travaille au quotidien pour qu'on ait du bon dans l'assiette, donc c'était important de vous amener les voir. Quoi. Oui. On démarre avec combien en offre de séjour là? Il y a une dizaine de destinations, mais après on peut vous amener un peu partout en France. T'arrives, tu fais 80 kg, tu repars, tu fais 95 kg. Un peu de vin, des patates, de la viande et on est bon là. Je trame le plaisir. Oh putain, c'est bon. De la carte à Jeanne Brocco. Arthur, toi. Et lui, c'est quoi ça? C'est du poumpette, un gâteau typiquement tarné. Estouffate. Les poumpettes estouffates. Boum, boum. Pète. T'as vu ce charisme? Pas trop chaud, Cabardès? Y'a des beaux bébés qui sont nés aujourd'hui. Mais tu les connais déjà, non? Ils grandissent dans le Cabardès et finissent dans l'assiette sur la chégerie. C'est fantastique. La boucle est bouclée à 20 bornes. Que veux-tu? On a l'atelier de découpe à la ferme et on fait toute la transformation avec maman. On a 8 pâtés différents, dont du pâté d'agneau aussi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. 16h. Magnifique. Dans les entrailles de mon boucher. Ça c'est une Gasconne, elle vient de Villespie, c'est là où on a démarré. La fin du monde. Merci beaucoup. Merci. Va le charger, le charger comme les vieux. Du coup il y a les raisins qui arrivent là-haut, on fait tout le tri là-haut, par gravité ça descend dans le pressoir. Et le but c'est d'arriver à avoir du jus de raisin le plus frais et le plus rapidement au frais en fait. Chardonnay frais. Ouais. Vendanger ce matin à la fraîche, c'est magnifique. Il reste un cassoulet pour 12, on est 4.
Moi je pense que les mecs qui vont faire le séjour ils sont pas prêts en fait. Et voilà le café. Oh, magnifique. Arthur, on attaque la deuxième journée de Gueuleton Séjour. Je pense que ça va être aussi appétissant que hier et aussi chargé. Là-bas, à 80 km, c'est la Méditerranée, le massif des Corbières d'abord et qui donne sur la Méditerranée. On est clairement languedocien, clairement méditerranéen. Ça donne à nos cépages une super exubérance, ça donne vraiment des maturités précoces et des vins avec beaucoup d'identité et de caractère. Bon, c'est pas tout ça là, mais est-ce qu'on va goûter les cuves maintenant du 2022? Certainement! Là, il est en pleine balle, le cuveau. Là, on part en Corse, Copa, Lons, ça, saucisson de la Maison Rivière aussi, petite noix de jambon de Durfort, chorizo de Murcie, en sur de l'Ibérique. Allez feu, tirez-vous le garçon, bon appétit. Et voilà mon ami. Putain, ça c'est pour les soupes, c'est pas ça. Ah, ça c'est pour les soupes. Ah ouais. Pâté à l'ail. Et nous, le chef ? Ah ! À part ça, j'ai pied de cochon. Oh, tu ne viens pas les pieds de cochon, tu le dis. Hein. Chef, on démarre par quoi après ? Petit rable de lapin flambé au lard. On se retrouvera. La 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 la. La 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 la. Entre nous, c'est comme ça. La 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 la. La 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 la. On se retrouvera. Oh, les familles, là, c'est content. Le soleil, c'est...